Et salut à tous et à toutes, c'est Kintaro, on se retrouve pour l'épisode 12, enfin je que ce c'est mon nombre d'épisodes, c'est bon, de Ratchet & Clank, on est un peu perdu. En fait, faut qu'on trouve où est-ce qu'on doit aller. Ah, mais là, j'ai pas été, là. Mais il y a des trucs, en fait. Aïe, aussi, le Gadgetron, pour intégrer son rail, trouver le laboratoire, essayer d'avancer sur les rails à Batalia. D'accord, donc il faut que j'essaie de trouver un endroit pour... ok. Bon, par contre, il t'explique pas où faut aller, hein. Oh, les bâtards. Alors, en plus, je suis accompagné de Mimine, qui est juste dans mes, entre mes jambes. Qui est toute contente, qui est toute câlin, qui est toute mime, tout ronron. Ah oui, mais il faut trouver le... C'est quoi ça? Le sort de la galaxie était en jeu. Parce que le problème, c'est que je peux pas y aller, c'est pas ouvert. Faut que je trouve un truc. Mais avait-il les armes nécessaires pour réussir? Vous voulez dire qu'il avait un propulse opaque? Oh, mollo sur les révélations, j'ai... Ah oui, mais il faut trouver le propulse opaque alors, c'est ça? C'est-à-dire que techniquement, donc je peux pas y aller là tout de suite. Et ce propulse au con là. Donc je suis là. Il doit être là-dedans, non? Parce que je. C'est pas très clair, hein. À moi d'aller là-bas. Non, je crève. Je pensais que je pouvais aller sur la plateforme. Le sort de la galaxie était en jeu et Ratchet savait très bien ce qu'il avait à faire. On va y se promener. Avait-il les armes nécessaires pour réussir? Vous voulez dire qu'il avait un propulse opaque? Oh, mollo sur les révélations. Alors attendez, ici, non là ça c'est pour l'endroit, le truc pour le taxi. Au niveau des rails. Des rails que j'ai pas pris. Je dois vous le dire. Ah, c'est par là, peut-être. C'est bon, on va rester par là. L'usine est prise d'assaut, je vous rappelle. Et... parce que là, je vois pas en fait où aller, quoi. Il n'y a pas d'indication. Ok. Voilà, je peux pas y aller. Attendez, je suis en train de calculer parce que là je vois pas trop. Parce qu'il y a le truc des moutons là, mais le truc des moutons en fait, techniquement, ça me servira à quoi? Je ne sais pas que je l'ai pas, on est d'accord. Combien de fois je dois vous le dire? La salle des gros vitrons ne sert pas à faire la fête. On s'en fout. C'est ça immédiatement. Parce qu'on en a foutu, il y a aussi le chat qui va s'installer là. Attendez, je t'avance sur le clavier, Mimine. Hein. Par contre, ouais, voilà, essaie de passer. Voilà, là, tu seras peut-être mieux, là. Comme ça, tu me laisseras jouer. Hein, mon chat. Et parce qu'il y a Mimine qui m'accompagne. On pourrait même dire que c'est un dual commentary. Parce que Mimine, elle est avec moi. Hein, ma fille. Alors, j'ai récupéré un truc, là, mais ça me sert à quoi, wesh. Ça me sert à quoi, wesh. Eh oui, mais... ouais, mais le truc... En fait, j'avoue que cette salle, elle sert à rien. Ça, le poste de tout le monde. C'est ici. Attention, la salle du motonator est fermée pour cause de motonnage intempestif. Entrez à vos risques et périls. Wow. Ah, je rentrais, ouais. On dirait que les blargues ont essayé de pénétrer ici et se sont fait moutonner. Pardon les gars. Alors il va y avoir un truc où passer, c'est quoi, c'est pas plus. C'est quand même n'importe quoi. Il va y avoir un passage. Là j'y comprends rien là. Ah, il y a un bruit là. Il y a un bruit. Mais j'y comprends rien, et toi le chat, tu comprends quelque chose toi? Tu comprends quelque chose toi le chat? Mais j'y comprends rien. Ouais, c'est pas très clair ça. C'est pas clair hein, wesh. Oui.
par... je peux passer par là pour revenir en arrière. Ok. Alors attendez, je suis en train de calculer. Il faut qu'on ait accès au laboratoire. Le laboratoire, on n'y a pas accès. D'accord, on n'y a pas accès pour le moment. La salle des gros vitrons ne sert pas à faire la fête. Sortez de là immédiatement. L'usine est prise d'assaut, je vous rappelle. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de souci, man. Alors, à mon avis, il doit y avoir un passage où j'ai pas dû y avoir accès. Et j'essaie d'y avoir accès, mais je sais pas comment. On va esquiver. Là, ça, je l'ai activé, on est d'accord. Là, je suis pas passé, là. Si, je l'avais fait. Voilà, si je chauffe pas, je crève. Enfin, on l'avait fait, hein. Ça, je l'avais pas récupéré. Il y a un point de passage dont on n'a pas été chercher en fait. T'as Lolo déguiseur ? Pas encore, mais on y travaille. On avait quelques détails à régler avant. Bien reçu. Bonne chance. Ouais, si on allait être clair, hein. Ah non, mais là je reviens à l'endroit où je devais aller. Là. Voilà. Je vois pas du tout, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair du tout. Hein. Et le déguiseur, c'est quoi ça? Pour la bande, essayer d'avancer sur les rails à Batalia. Chat, est-ce que tu peux. Je vois pas. Hein. Ça me donnerait pas accès à un autre endroit là si je ne m'étais pas ici. Je vois pas. Hein. Là, je peux pas y aller, là il n'y a rien. Je vois pas. Hein. Niveau des rails. Ceux-là, je les ai faits, on est d'accord. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Il doit y avoir un truc, c'est pas possible. Que Lolo, machin, l'utilisateur, là, machin, du chouette. Non, il y a un ravageur, ça peut être là, donc je ne dois pas l'avoir encore. Ah, c'est pas clair ça, hein. J'espère que tu vas pas faire des heures. Wouh! Voilà, voilà, putain, mais... T'étais là, ma salope. Hein. Je peux pas y aller, là. Mais non! Attends, c'est quoi ça qui est là-bas? Je suis là! Attends! Comment j'y ai accès là-bas? Oui, aller au siège du Gadgetron. Oui, trouver le laboratoire dans le... avancer sur les rails à Batalia.
Ah mais ça se trouve, je peux pas y avoir accès de suite. J'aille à un autre endroit avant, peut-être. Le sort de la galaxie était en jeu, et Ratchet savait très bien ce qu'il avait à faire. Mais avait-il les armes nécessaires pour réussir? Vous voulez dire qu'il avait un propulse opaque? Oh, mollo sur des révélations. D'accord. Ça se trouve, j'ai pas ce qu'il faut pour le moment, donc il faut que j'aille dans un autre endroit. Putain, il y a 10 minutes à passer à tourner en rond, c'est chiant. Non. Sur quelle planète on pourrait aller? Batalia, empruntez le rail. Voilà, faut que j'aille à Batalia. Je récupère un truc à Batalia et après je reviens ici. Mais lol. Hein. Oh. Ah, on ira comme ça. Hein. Ah, faut que je trouve les rails. Oh, ces putains de rails, ils sont là. Hein. Ils sont sur le techo. Ok, donc il faut que j'aille là-bas. Je détecte le signal d'un info-robot dans le secteur. Peut-être que nous devrions le suivre. Oui, peut-être que je devais rien faire. Putain, j'ai encore des pertes d'effets, sérieux? Lol. Je sais pas d'où ça vient. Non, mais c'est bon, je sais le plus dire. J'ai déjà été au restaurant. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire en fait. Mais en fait c'était tout con, mais putain mais je suis débile là. Bon, on aura fait des trucs annexes déjà. Je crois que c'était déjà pas mal, on aura fait des petits trucs annexes. Alors là, on va récupérer les boulons qui sont là parce qu'on va nous de la tunasse. Putain, mais j'ai des pertes de FPS, je sais pas ce qu'ils a. Oh, je regarde ça un peu. Salut Ratchet, c'est Grim. J'ai suivi tes aventures et je suis très content pour toi. Écoute, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai un frère sur Pokitaru. Il s'appelle Felton. On se parle pas souvent parce que c'est un peu un gros fainéant. Mais il m'a envoyé un appel de détresse ce matin. Il disait que Drake était en train d'attaquer Pokitaru avec ses moissonneurs hydrauliques. Les Blarks doivent préparer quelque chose avec l'eau de leur océan. J'ai appelé les Rangers, mais le capitaine Quark m'a dit de m'adresser à son agent. Bref, tu pourrais pas faire un petit crochet et voir comment il va. Merci, petit. Je suis fier de toi. Et c'est gentil. C'est super sympa. Ah, mais par contre, mais ça m'a mené à rien, par contre. Lol. Donc on va, il faut qu'on y retourne. Ok, là c'était juste pour me là. Bref, ouais, faut qu'on fasse gaffe au chemin qu'on va emprunter. Bah, déjà, on a une sorte de quête annexe, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, une sorte de quête annexe, ça va, c'est tout. Une carte. Ça c'est fait.
Ouais, donc là c'est juste pour faire le tour, ok. Ok. On est d'accord, le. Ouais, emprunter le rail va au fort. J'ai l'impression qu'on a déjà tout fait. Et oui, mais peut-être que. Peut-être que. Faut après faire ce petit mission là pour avoir le truc. Peut-être obligatoire. C'est un piège. Ouais, donc je suis obligé de passer par là, je suis obligé d'aller là. Donc il y a quand même un peu d'annexe à faire sur ce jeu, c'est quand même cool. Non, ça je vais pas faire ça. Je sais plus où. Ouais, bon, c'est bien ce que je pensais. À mon avis, j'en ai déjà fait le tour. On va retourner au vaisseau, puis on va essayer d'aller aider ce gentil monsieur. Ouais, donc c'est un peu d'annexe obligatoire à faire. Hein. Bon, c'est pas grave, ça, on fera, c'est pas un souci. Dans le vaisseau, puis on va faire ça. C'est où alors qu'il faut qu'on aille? Les moissonneurs hydrauliques des Blargues volent toujours l'eau de la planète Pokitaru. Trouve un propulse opaque à Pokitaru. Donc il faut qu'on aille là-bas. Ah non, mais c'est là où on a été. Donc alors attends. Pokitaru, c'est ça, voilà. Détruit, retrouve Feltonon, détruit les moissonneurs hydrauliques. Et bon, on va aller faire ça. En eau de Pokitaru était menacée. Si allez, c'est parti. Aïe. Si pas à détruire les moissonneurs hydrauliques de Drake, ce paradis tropical ne serait bientôt plus qu'un vaste désert. D'accord. Et là, c'est pareil, j'y ai pas accès parce qu'il faut le truc spécial dessus. Quoi qu'il y ait une gueule dessus, là. Eh, par contre, j'ai un joli environnement, là. C'est joli. Eh bien, que le grand Cric me croque comme un grand coboulon cragmite. Grim m'avait bien dit qu'il avait un ami Lombax, mais je l'ai pas cru. C'est la première fois que j'en vois un en vrai. Tu dois être Ratchet. C'est vraiment bizarre. Cette ressemblance, c'est... Troublant, je sais. Grim nous a demandé de t'aider à détruire les moissonneurs hydrauliques de Drake. Si tu veux détruire ces engins, il va falloir qu'on améliore ton vaisseau. Et il se trouve que le plus grand expert en amélioration de la galaxie est ici pour une convention de BD. Viens, je vais vous présenter. Ok, il va foutre le technicien alors. Okay. Les poissons globes s'échouent depuis que les Blargues ont lancé leur attaque. Ce sont de vraies saletés, mais ils sont délicieux quand on sait comment les cuisiner. Ah, ça va. Ah, par contre, l'environnement de cet endroit-là est beau. Hein. C'est un très très bel environnement, j'aime beaucoup. C'est propre, c'est un côté très chatoyant, j'aime beaucoup. Avec lui, on va lancer de l'intrudateur. C'est là. Oh, bon, là, il y a. Hey, c'était pas mal.
C'est mon frère qui t'a appris à faire ça? Oui. Ça sert à quoi ça? Je peux pas aller sous, on est d'accord. Non, c'est lequel les amis, ok. Ok, c'est fait. En fait, j'avais prévu d'aller à la pêche avant que ces moissonneurs hydrauliques ne débarquent et ne viennent tout gâcher. Ça fait joli, hein. Ça fait vraiment. J'y suis mis ça a 10 ans été, quoi, j'aime bien. Et je commençais tout juste à sortir de beaux poissons. Ça c'est fait aussi. Je perds pas de millions. Ne restons pas là. Oh non, encore des poissons globes. Vous pouvez nous en débarrasser, pas vrai? J'aime pêcher, mais pas me battre. Vous comprenez? T'inquiète, on est là. Voilà, et y a pas le choix, faut que c'est normal. Je crois qu'ils sont tous morts. Allez! Je peux pas l'attendre. Voilà, ça c'est fait. Ça donne de la thune. Dans la tunasse. C'est bien tourné là-bas. J'ai oublié que j'avais le sou comme ça. Hop, j'étais un peu sur ça. Eh bien, c'est un joli jeu. Là, c'est vraiment. Il est vraiment propre ce jeu, j'aime beaucoup. J'aurais peut-être dû faire un petit saut comme ça. Parce que là, il y a un truc qui m'intéresse. On verra ça plus tard. Il en vient d'autres. Oh non, je suis à sec. Quoi? Et le fusil d'artan. Est là pour détruire. Je vais t'épargner. Ah si, c'est pas magnifique. Là-bas, ça c'est la fait. Cascade de Torgoff. Grim et moi, on marche. Qu'est-ce que je peux pas avoir j'ai juste en haut à chaque vacances pour chercher des boulons en or et ce genre de choses. Un jour, il m'a même mis au défi de la descendre dans un tonneau. Autant te dire que j'ai jamais vu. Ils étaient aussi, pas mal, il est assez marrant ton arme. Ah, c'était le bon. Putain, il est gros là. Là, ils sont un peu chiants à battre, ces amis. Bon, j'ai réussi à l'avoir. On récupère un petit peu de vie. Ah, santé max. D'accord, je suis un max de la santé. Ben nickel. Ah putain, j'adore cet environnement. Fait un peu penser à. On s'est presque pas parlé depuis que j'ai quitté la galaxie. Ça me fait de Polaris penser un peu au jeu Nintendo 64. Wave Race et tout ça avec l'eau pareil. C'est plutôt cool. On fait des conversions. Ça a un côté assez chatoyant, je trouve. J'aime beaucoup ce genre de truc. Et maintenant, tu es Ranger Galactique. Grim doit être fier. Ben, à vrai dire, je ne sais pas. Je devais l'aider sur des décapages au proton, mais je suis parti précipitamment. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Ah, si, t'inquiète pas. Après tout, tu défends la galaxie. C'est quand même bien plus important qu'un décapage au proton. Est-ce qu'il y a une mécano de base, en fait? Mon ami n'est pas très loin d'ici, il devrait pouvoir. C'est ça qui se bat avec une clé. Là, ça récupère pas mal d'algent. Algent. Ouais, c'est la clé comme ça. Ouais, mais encore une fois, mais les environnements, moi, ils me bluffent. Ah, super, le pont est déployé. Merci. Ça, allez. On est plus très loin. Ouais, bah franchement, je voulais pas me mettre sur ce jeu. Je m'en vais pas d'avoir lancé ce let's play parce que c'est un jeu que j'aime. Oh non, j'aime pas ça. On dirait bien que les blagues ont atteint la ville.
On dirait que les poissons. Mais non, enfin, c'est vraiment un super jeu, mais ça manque, hein, des jeux comme ça. Mon ami, tant que les troupeaux je suis sincère, hein, mais des petits jeux comme ça, là. Sans prise de tête. Ça manque. Poilou. Pas de soucis, mais. Et là. Et là. Hein. On fait pas, moi. Hein. Alors, je. Pourquoi il fait rien qui se passe? On va aller par là-bas? Ah, mais allez, Voilà, regarde! La bim! Qu'est-ce que vous croyez? Quel talent, ce qu'il me donne! Quel talent! Peut-être avec voilà. Bon, ça me fait perdre quelques munes, mais bon, bref. Reviens, t'as oublié d'activer les commandes du pont. J'arrive. J'arrive, je t'ouvre la porte. J'arrive. Désolé, je suis pas un grand sportif. Oh bah ça se voit. Monsieur Zurkon est là pour détruire. Monsieur Zurkon est très con. Regarde là-bas, le Tiki, l'hôtel et le bar karaoké de Pokitaru. Avec un peu de chance, mon ami ingénieur y sera. Qui est votre ami? Les gars du forum de mon holo-jeu l'appellent Gros Hal. Oh, c'est ça, mais on peut pas trop parler les bugs, là. Mais un autre. Oui, c'est bien Hal. Oui, c'est le meilleur fournisseur d'amélioration. Tu meurs là-bas. J'étais en train d'interpréter ma version bouleversante de personne ne m'aime de l'Exiorion. T'arrives. Et vous venez de Je ne sais pas, je ne crois pas. Oui, j'arrive. Bien joué. Putain, mais il voit, il est tellement lent. Hé, hey, Hal, tu peux nous ouvrir? C'est quoi le mot de passe secret? Oh, allez, m'oblige pas à le dire. Ah, ça, bon, j'en ai besoin. Comme tu voudras. J'adore les Fiorions, j'ai l'intégrale ici et je la connais par cœur. Chanson par chanson, note par note. Quoi, ce truc? Ouais, ok, ça va. Vive Hal, le grand conquérant. La gloire de son jeteur de sorts de niveau 20 brille plus fort que la quatrième étoile de Julius Major. Ah, c'est lui ? Hey, Ratchet, Clank ! La galaxie est petite. Comment va ma très chère Korra ? Bien. Écoute, on est là pour t'aider à détruire ces moissonneurs hydrauliques. Tu pourrais nous aider à améliorer notre système d'armement ? C'est toujours un plaisir d'aider les Rangers galactiques. Qu'est-ce que vous diriez d'un kit de frappe Tesla? Il utilise des électro-émetteurs polarisés pour augmenter la vitesse de propulsion de 128,7%. Même les coques en raritarium ne font pas le poids contre ce bijou. C'est exactement ce qu'il nous faut. Tu passes devant, on va te couvrir. Tu as ramassé suffisamment de boulons pour un disque en zigzag. Ah, ça c'est bien qu'ils te disent que t'as ce qu'il faut. Ça, c'est pas mal. Va en guerre. Pour le pixelisateur, mais bon. Bon, on lâchera plus tard. Je commence vraiment à en avoir ma claque de ces blagues. Ils sont arrivés pile au moment où je devais donner une conférence sur tous les défauts des holophiles inspirés de BD. Bon, moi, certainement, être attaqué par les poissons. Tous les plus grands blogueurs étaient présents. Moi, Stuart Zurgo, et même Obsidia Von Schmoot. Von Schmoot était là? Vraiment? Blogueur. Oh, je l'adore! Elle ils l'ont quand même adapté au temps de maintenant. Aucun holofilm, jeu de lancement de produits en ligne, n'a échappé à ses critiques acerbes sous la rubrique commentaires. Il faut beaucoup de talent pour porter de tels jugements. C'est vrai que je suis désolé, mais pour certaines scènes, je ne peux pas le voir. Nous voilà arrivés à bon port. Voilà, c'est les scènes issues du film et.
YouTube n'aime pas ça. YouTube n'aime pas du tout ça. Il n'aime pas pour utiliser les musiques du film. Enfin, les passages du film. Arme à vendre, j'ai des armes. Eh ben, on va prendre le disco zigzag. Ça fait une affaire. La maison ne fait pas crédit, petit. Désolé. On va améliorer, alors. Le pixelisateur, je pouvais encore... Ah, je peux encore un peu l'améliorer. Prends ton temps. Voilà, double mémoire, et c'est bon. Faire. Excellent choix. Le disco zigzag est une de mes armes préférées. Le disco zigzag, c'est un disco. C'est parti. Allez, ouvrons tout ça et installons ce système d'armement. Réinstallation du logiciel d'armement. Redémarrage du système. Et voilà. Kit de frappe Tesla détecté. Bonne chasse. D'accord, ok. D'accord, c'est ça. C'est cool, ça marche. On devrait récupérer plus de roquettes sur ces vaisseaux blagues. Mais il y a un peu, t'inquiète. Bah, voilà. Tesla récupéré. Ah, d'accord, tu tires pour que je ne pas. Mais non. Recharger. D'accord, maintenant je peux aller voir les autres. Ça, les autres sont... Elle va. Bien joué. Ah putain mais. Ah ces vaisseaux s'apprêtent à attaquer. Allez, fais un attaque moi si tu veux. Voilà, comme ça j'aurai les roquettes, j'aurai tout ce qu'il faut. Maintenant ils sont les autres. Il part là. Ça c'est pareil, c'est bonne phase. C'est bonne phase hein. Danger. Ratchet, le vaisseau a subi trop de dégâts. Nous devons ça fait un moissonneur hydraulique en moins. Plus que deux. Président. À mon avis, l'hiver donne de la vie. Hein. Non, on va essayer de ramener quelques-uns. Bien, président. Ouais, il ne reste plus qu'un moissonneur hydraulique. T'as fait une bonne mine, toi. Danger. Arme rechargée. Alors, arme rechargée, mais j'aimerais avoir un peu de vie, s'il vous plaît. Là, oui, là. Donne-moi de la vie. Vaisseau réparé. Alors, faut chercher le dernier là. Allez, là. Faut pas accélérer. On est là. Tu l'as eu. Allez, fais un tonneau. Un double bubble. Ok, on l'arrête. Ah, il est où le dernier là. Ok, il tombe là-bas. C'est bon, c'était pas trop compliqué. Et sûrement la planète tout entière. Ça fait partie du travail. C'était incroyable. Eh, s'il vous faut d'autres améliorations, venez me voir. Qu'est-ce que vous diriez d'un propulse opaque? J'ai téléchargé les nouveaux holoplans la nuit dernière et ils sont top! C'est vrai que ça pourrait être utile. Recalibrage du port avionique. Mise à jour du logiciel. Mise à jour. Toujours mise à jour. Et voilà! Il est tout à vous.
Techniquement, il faut un permis de classe B pour piloter un de ces petits bijoux, mais... On s'en fiche! Vous êtes des Rangers Galactiques! Ça devrait t'aider à atteindre ces stations de pompage. C'est génial, on a ça, ça c'est cool. Ah, ça, on l'utilise comment ce truc? Barrière désactivée. On peut peut-être progresser dans la station de pompage maintenant. On pourrait le faire, sauf qu'on est à 35 minutes. Et bien on va se laisser là pour cet épisode 12 de Ratchet & Clank. Ah non mais on peut voler, génial. On va aller à l'endroit qui... où on était bloqué. Et bien écoutez, je vous fais de gros bisous. C'était Kintaro, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye tout le monde.